J'ai commencé à m'intéresser au personnage de Youri Beliaïev totalement par hasard, en fait. J'étais dans l'est de l'Ukraine, c'était en 2014, je couvrais le conflit pour divers journaux francophones. Et je travaillais à l'époque côté séparatiste, durant cette guerre, et je faisais une enquête sur les seigneurs de guerre qui se partageaient le territoire côté séparatiste. Il y avait toute une flopée de seigneurs de guerre, comme ça, qui tenaient une ville ou un bout de ville, comme ça, et qui, en même temps, combattaient ensemble, et puis, en même temps, se mettaient des bâtons dans les roues. On frôlait parfois la guerre civile, quand même. Et il y avait un commandant qui m'intéressait tout particulièrement, qui s'appelait le commandant Batman, c'était ça son surnom. Et le commandant Batman avait un bras droit, il avait un conseiller qui s'appelait Youri Beliaïev. Et c'est lui qui gérait les relations avec la presse, et du coup, c'est avec lui que j'étais en contact. Et comme le commandant Batman était absent pendant un certain moment, bah, j'ai passé pas mal de temps avec Youri Beliaïev et j'ai appris à le connaître et je me suis vite rendu compte que cet homme avait quelque chose de beaucoup plus intéressant à raconter même que le commandant Batman. Donc j'ai creusé, en fait je me suis rendu compte qu'on avait là affaire à une personnalité complètement fascinante parce que Youri Beliaïev, pour le résumer, est un citoyen russe qui est né à Leningrad, qui a une soixantaine d'années aujourd'hui, qui était un ancien flic soviétique. À la chute de l'URSS, il est devenu mafieux, il est devenu homme politique d'extrême droite, fondateur d'un mouvement skinhead qui a eu beaucoup de succès, qui a grenouillé comme ça dans la politique et dans le banditisme pendant tous les années 90, et qui s'est révélé être un fil rouge, en fait, pour étudier cette période très méconnue en France, mais qui est fondatrice de l'atmosphère politique et même de l'identité russe contemporaine, qui est le traumatisme de la chute de l'URSS et des 10 années qui ont suivi avant l'arrivée de Poutine, qui a été une année marquée par une anarchie, un effondrement des repères, des valeurs, des structures étatiques, un taux de criminalité qui a explosé. En 3 ans, on a un taux d'homicide qui est multiplié par 8 à Moscou, ce genre de choses. Youri était évidemment une des personnalités qui participait à ce bouleversement, en fait, par sa participation à parfois des assassinats, des opérations commando contre d'autres gangsters. Et donc voilà, il m'a raconté tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, de me raconter cet effondrement civilisationnel qui s'est passé dans les années 90, je voyais une résonance avec l'effondrement qu'on voyait dans l'est de l'Ukraine, où on avait également une disparition de l'État, une disparition des repères, l'apparition de nouveaux entrepreneurs de violence, seigneurs de guerre et compagnie. Et j'ai voulu mettre les deux en parallèle et essayer d'éclairer un petit peu les événements contemporains de l'ex-URSS à la lumière de cette chute de l'URSS via ce personnage absolument romanesque, quoi. La première fois que j'ai envisagé de faire un livre sur Youri Beliaïev, je ne comptais pas m'inclure dans le récit. Je ne comptais pas mettre de la première personne, je ne comptais pas mettre du jeu. Je me disais, je vais retracer sa biographie, je vais raconter ce qui s'est passé. Et puis je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais construit avec cet homme une relation qu'on pourrait qualifier de copinage, voire d'amitié, en fait. Une relation très particulière. Et qui me permettait de comprendre certaines choses dans nos interactions, dans nos dialogues, dans nos discussions, qui permettait de comprendre certaines choses que je n'aurais pas réussi à faire passer dans un récit pur sucre, biographique, où l'auteur s'efface. Et donc, au début, j'avais un peu de la gêne vis-à-vis de ça, vu que y a toujours une dimension où on craint d'être soit nombriliste, soit d'injecter du jeu quand c'est pas nécessaire. Mais là, je me suis rendu compte que si je voulais raconter véritablement qui était Youri, il fallait que je montre comment il était dans son intimité, comment il était dans ses interactions humaines. Et puis ça permet d'ajouter tout un tas de choses, en fait. C'est-à-dire, on est face à une altérité, on est face à quelqu'un qu'on soupçonne d'être un criminel de guerre, qui est accusé d'être criminel de guerre, on est face à, entre guillemets, un véritable salopard. Comment on devient ami avec un criminel de guerre? Qu'est-ce qui se passe? À une période où actuellement on rejette beaucoup l'altérité, où on cherche à condamner plutôt que comprendre souvent, il m'a semblé extrêmement intéressant de montrer un peu la face la plus humaine et d'autres aspects au-delà du plus sexy, putassier, entre guillemets, qui puisse avoir
qui sont ces hommes, qu'est-ce qui les anime à commettre le mal, vu que ce serait très facile de dire, voilà, on a une figure de la banalité du mal. En fait, non, le cas de Yuri, ce n'est pas une figure de la banalité du mal. Mais il faut chercher à comprendre ce que c'est. Il faut chercher à comprendre ce qui les anime. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'absolument banal comme lui, qui n'avait jamais brillé de sa vie, à la chute de l'URSS, lors d'un effondrement civilisationnel, comme tous les autres seigneurs de guerre de l'Est de l'Ukraine, pourquoi des individus d'une banalité folle vont devenir seigneurs de guerre, vont devenir chefs mafieux et imposer leur volonté à des dizaines de milliers de leurs semblables? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Est-ce que c'est qu'une aptitude à la violence? Est-ce que c'est que de la chance? Ou est-ce que c'est des compétences qu'ils ont en eux, ou des aptitudes qu'ils ont en eux qui peuvent s'exprimer qu'en temps de guerre ou en temps d'effondrement civilisationnel? Et c'est ça, en fait, que j'ai voulu explorer. Et cette complexité, je pense que je pouvais y accéder uniquement en passant par la subjectivité. Et après, évidemment, ça m'a évoqué tout un tas de lectures, en fait, que j'avais eues et qui ont construit un petit peu mon envie de devenir journaliste, où on avait des auteurs qui passaient par le jeu, que ce soit Emmanuel Carrère ou Hunter S. Thompson. Donc c'était pour moi, il y avait quelque chose d'un peu jubilatoire et en même temps extrêmement effrayant, en fait, à se lancer là-dessus sur les pas de personnes que j'admire énormément.